sans faire carré couler dans le pays. Parce que bataille qui là son bataille de sang. Les esprits qui accompagnent nos ancêtres. Comme bagage samedi dinaim ce matin débat. Non, cérémonie bois caïman. Il te dit que monsieur te pique Vixama. Et bien c'est sans ça, l'air te fin boel et puis qui te vient transformer tout esclavio et puis te vient caler chez eux. Et puis, ils ont compris que la nécessité, il faut marcher pour blanc. Ça dit que sans nous, on a couler dans le pays. Eh bien, quelque part, il servit de sérum. Quelque part, il servit de sérum. Ok? Dans le temps de cette avec l'esprit, puis on a une force. Puis on a mené la bataille que l'esprit malin a goumé là avec eux pour. Qu'un bel pays en salier là et vous même abgoumé puis retirer pays en main en bas griffio. Madame monsieur, sans faire carré couler dans pays là. Et c'est matin de pas parler jodi là. Sans faire carré couler dans pays d'Haïti. Marie Saint-Une. Parce que l'orbe là qui boule péter quand même. L'homme dit l'orbe là qui boule péter. La guerre qui là faut qu'il fête quand même. L'obé là qui boule pété quand même. Parce que pour nous qu'à finir avec question gang dans le pays, madame, monsieur. Nous même nous là, nous, comme les humains, nous avons gardé nous, et c'est là qui a goûté, ils ont goûté. Et pas ça, là. Nous ne sommes pas les légumes dans la soupe. Mais tu as la pire loin que ça. Et l'on descend dans la profondeur du pays, et bien on comprend ça, on a expliqué matin, madame, monsieur. Donc, fort, révolte la fête. Donc, fort, la guerre faite. Faut l'obé la pété. Parce que, est-ce que nous sommes capables de avec gang comme ça? Nous sommes capables de vivre vite avec elle? Non. Vous avez une décision pour prendre. Et puis, pour ça, qu'a fait la fête. Et puis, là, ça semble couler. Et c'est le dernier goût de ça qui a coulé dans le pays. Il y a un niveau ça. Donc, pourquoi vous avez l'obé, madame, monsieur? Ça nous est là pour qu'on rien. Et c'est Louko Desi qui a parlé avec nous matin dans l'émission matin débat. Et je sais de quoi je parle. Ça nous est là pour qu'on rien. Parce que bataille ça, entre les esprits malins et nos ancêtres, bataille ça, pas pitié. Bataille ça, red en pile. Bataille ça, red en pile. Je dis, nous sommes en phase d'élection. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention, problème nous a vint plus mal. Moi, je dis ça. Depuis que pays a entré dans l'élection, c'est pas passé. Ou pas venir des candidats qui parlent de tout esprit, jab, bah, comme ça, puis on a gagné pouvoir. Eh bien, nous avons un problème, oui. Vous avez bêté, oui. Que j'ai l'élection. Depuis que l'élection arrive, madame, monsieur, qu'on a venu tout candidat, de tous côtés, pour aller l'esprit, jab, esprit diabolique, enterré bête tout vivant, et puis pour nous faire empirer. Malheureusement, pays ça, il y a des gens qui ne connaissent pas. Et malheureusement, tout peuple haïtien, hein, nous ne pouvons prendre conscience que pays ça, faut nous la gueule, nous ne pouvons pas la gueule, mais des gens qui sont des amateurs qui ne connaissent pas. Nous ne sommes pas capables. Parce qu'il y a trop de désordre dans le pays, madame, monsieur. Et ça qui a passé là, ce n'est pas un hasard. C'est mon mari comme si ça, comme ça, ça qui a passé là. Donc nous-mêmes, nous croisons, regardez ce qui s'est passé hier à Matisse. Ce n'est pas normal. D'après nous-mêmes, comme si bandits, c'est de par eux-mêmes qui ont agi. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des nègres que diable monté, c'est des nègres de mauvais esprit monté dans la tête. Et bien, fait ça, il a fait la Matisse. Et d'ailleurs, Julie, c'est eux qui ont fait sacrifice, tout est sec cabrit, tout est bœuf, ils ont égorgé cabrit avec dents. Ça, c'est humain. Qu'est-ce qui est humain là? D'après nous-mêmes, ça qui a passé Matisse, comme si nègres, ça y est. C'est pas mauvais esprit dans tête yo. C'est pas mauvais esprit dans tête yo. Et puis d'où tu sais cérémonie on fait chaque jour. Puis pas esprit manger. Tu dit nous un pays qui enclavé un grand pays qui pris en otage par des esprits malins. OK? Maintenant il faut les déguerpir et pour déguerpir malheureusement comme la autorité qui des responsabilités que pas prend. Comme il y a tout son pays qui est en désordre mystiquement, eh bien, qu'on y a 107 qui sont obligés, qu'on y a qui mettent les mains pour gommer.
pour débarrasser pays donc de ces esprits malins, madame monsieur. C'est pas facile, li pas facile et qu'un pile sang cap continue couler dans pays et qu'un pile moun cap continue mourir dans pays madame monsieur. Et surtout question élection ça quoi qui dérape là dans pays donc misère nous fait carré. Commencer parce que tout candidat pral nan diab, tout candidat va chercher esprit diabolique. Puis on mette point sur yo, puis on kapase. Yon élection déjà, ouais, que Jean Calandre électoral là, Jean, loi électoral là, Dil, et José Lexidon, Esaïe César. Candidat pas carré souvent pile comme dans mes supporters. Donc pas qu'il comme une élection. Donc son élection, on que c'est magique pour le faire. C'est là. Ou bientôt. Ah oui, c'est coup de sang qui va le faire. Ou bientôt, moun qui gagne comme déjà. Oui, non. Non, monsieur. PHCK, pour voir, monsieur. Je vais écouter madame monsieur, nous parlons de notre décret électoral là. Alors, pas gagné qui dit ce sac là, le sac là, il est cap Kembe. Parce que si y a un dialogue, si y a un shit à parler pour, et parce que l'élection n'est pas faite avec l'équipe en place seulement, il faut la participation de partis politiques. Des partis politiques. Et on n'est pas faire élection et puis pour exclure les partis politiques. Donc, partis politiques, c'est sûr que le conseil électoral qui l'a d'ailleurs, il pose bon, problème, tout le monde connaît ça, même le président de la République le connaît. Conseil électoral qui n'a pas qu'à faire. Maintenant, si par un processus de négociation, de consensus, c'est sûr que le premier bagage qui a changé, c'est le conseil électoral. Mais si le conseil électoral pour le changer, c'est sûr que le nouveau conseil électoral qui va venir, c'est sûr que il va le. Ça dépend, oui. Il ne va pas changer tout. Bon, non, mais à moins que. Non, attendez, mon frère. Écoutez, mon frère. Vous président de l'Ambéa qui est le Jovenel Moïse. Donc, là, vous avez compris le Jovenel Moïse a toujours. Si pas gagné avant ce qui fait au niveau de l'opposition, le conseil électoral provisoire qui l'a prêté là. Tout ça qui. Et il va le faire, il va le faire, soit il va le faire le 26 septembre 2020. Il y a un conseil électoral décrié qui est illégal. Bon, dis-moi s'il y a un problème de légitimité. Oui, mais depuis qu'il en a dit le décrié. Non, mais. Depuis qu'on mette nous. Écoutez, madame, monsieur. Depuis qu'on mette a dit que le conseil électoral ça a décrié, il est illégitime, il est illégal. Depuis qu'on mette. Oui. Ça va gagner une nouvelle montée. Est-ce que là pendant que il y a des acteurs politiques qui dans radio, qui dit que conseil électoral ça illégitime, il décrit pendant ce temps ça qui passé, conseil électoral a mis le travail. Oui, maintenant. OK. Maintenant. Jusqu'à ce que il y a tout outil légal pour faire l'élection. Attendez. Maintenant si pas conchita parler qui fait que opposition pas avancer. Si nous disons élection qu'a fait là c'est sous et alors constitution qu'il a. Alors ce que le conseil électoral a déjà violé, mais qui résulte en balgué. Alors nous entendons pour un bon pays qui est toujours en crise. Depuis c'est ça m'a dit là mon frère. C'est que. Monsieur, alors, nous entendons, depuis base n'a pas bon monsieur. Toujours un problème. Et a toujours un problème. Au conseil électoral, il y a un minimum prestation de serment, monsieur, qui minimum et qui capital. Je sais pas. Il y a une action qui paraît minime mais qui capital. C'est clair. Je sais pas comme ça. Film ça nous est déjà dans le pays. Je t'ai fait analyser ça sous table matin débat déjà, madame, monsieur. Je m'a regardé, Jean Moïse, il est au pouvoir, puis Jean, il commence à pêcher le pays. Je t'ai dit sous table matin débat, je dis, ah, nous allons tomber dans le scénario 2002. 2002 exactement, c'est la situation sur le pays atteillé avec la valance, avec Jean Moïse. Élection 2001-2002, et puis René Gassa va faire élection, et puis la valance prend tout pour lui. La valance prend tout pour lui. Et quand plus chanceux dans sa balle tombe là, madame, monsieur, à partir du 26 septembre 2021. Maintenant, ça pour nous garder, on garde les conséquences, ok, avarisme en fait de la valance, quitter sous pays. 2001-2002, la valance prend tout pour lui, ni au niveau du Parlement, ni au niveau des collectivités. Donc la valance prend tout, et bien finalement ça a comme conséquence. Case brisé, révolte, nous venons tomber dans 2003-2004, occupation, et puis où qu'on le reste. Et bien c'est ça qui va passer là, madame, monsieur. Le journal Moïse comme président de la République, lui-même le dit que la valance est tête droite, il va aller dans le mur là, que tête il frappe dans le mur là, il va aller. L'opposition, il a croisé le bras, donc il va faire Jovenel Moïse, il va faire l'élection avec Jovenel Moïse. Mais écoutez, là, c'est ou bien Blanc intervenu, ou bien faire mes pays. Jovenel Moïse n'a pas avancé lui-même.
Mais jusqu'à qui limite que l'arrivée, je ne sais pas. Parce que cette question du conseil électoral provisoire, qui décrié, qui illégal, qui illégitime, ça a été depuis tout un gabdil. Mais finalement, qui ça empêche que le conseil soit toujours là, qui continue de travailler. Est-ce qu'on peut y diriger comme ça? Mais si ça me doute, nous pas tomber dans le même problème, nous te fait. Voilà. Si je dirige un côté, tout le monde dit que j'ai un problème quelque part dans l'action que je me pose. Ça empêche que me font tibak, me réfléchir sur action me poser et puis mais c'est ensemble. Oui mais ça là là il va dans radio pour dire Josué. D'accord oui. D'accord. Madame, ce sont pas les gagnants. Pendant qu'on critique ou dit que ah président ça l'a mal avancé. OK donc mais écoutez, mais pas radio avec nous non. Ils sont à bois chita avec vous négocier dialogue avec parce que ça va pas là. Nous pas faire ça comme ça. Nous dans cadre une situation spéciale côté que c'est pas que son pays cap marché et puis gouvernement ça l'a marché et puis c'est sûr qu'il a fait erreur. Puis n'a pas tant de 5 ans passé pour aller à l'élection. Non, son pays qui est en crise. Ton pays est en crise. Si le pays est en crise, c'est fuck gain de shit à parler pour. Eh bien, ça me dit matin. On pays pas qu'à jolier là, et puis monsieur, chaque nègre était dans le bout de paille, dans le coin de paille. Il n'est pas possible. Et comme si nous avons dit l'inormal, et puis nègre confortable, et puis pas le. Critiquer, et puis la pas agi. Non. La pas agi dans la limite par là, ok, n'est-ce pas possible. Il n'est pas possible. Ok. Et puis le reste, ok, tout le monde s'en fout. Respect, comme si oublié respect. Je viens de prendre parole, pas chita avec Intel, ça m'a pas trop bas l'importance encore parce que l'enchita avec étranger a montré que problème nous c'est pas question de il dépasse ça pas pays il pas de problème pays là dans il vient un problème de go il vient un problème de clan parce que écoutez question pas de sacrifice qui doit trop grand pour faire pour sauver et pas de parole dans bouche il pas de parole pour adoucir oreilles pour passer bien dans oreilles monde pour faire ouais ou paraître bien dans opinion non. Li doué yon réalité en termes d'action, l'on dit. Pas gen yon kap aksepte le fevri. L'on fin dit, faut poser des actions qui pour prouver son dit réel. Qu'est-ce que soit du côté du gouvernement, qu'est-ce que soit du côté de l'opposition. Pas gen yon kap aksepte le fevri. Tout c'est dans bouche. Ok? C'est pas comme Nadou, comme dit, madame, monsieur. Son pays qui n'y pas oublié. Si tout le monde, t'as vivre 100 ans. La vie n'a pas la présence. Ouais. Bon Dieu, pas la fait que il y a maladie, ça a mouru à 50 ans. Ouais, faut goûter pour vivre. Faut goûter pour vivre. Yeah, faut goûter pour vivre. Chaque nègre comme une supposition, bah, eh bien, il y a ce rapport de force. Le rapport de force, c'est que Jovenel Moïse, lycée président, il y a l'État, non, mais. Eh bien, il n'a pas avancé. Qui dématin, il y a ce bec, qui dématin, donc, question de l'immense du pays, il n'a pas avancé. Parce qu'il n'a pas croisé, il y a l'opposition. Parce que l'opposition n'a pas visité à sous table. Donc, même ça qui est passé dans le pays en 2001-2002, c'est lui qui peut passer, madame, monsieur, le 26 septembre. Parce que déjà dans le cas électoral là, il dit que le candidat gagne de l'argent, qu'on candidat de l'argent va recevoir dans le même monde. Eh bien, qu'est-ce qui gagne l'argent aujourd'hui pour gagner l'élection? PHTK? Ou mettre pour un pays ça remettre la matérie? Parce que l'élection n'est pas faite là pour matérie, pas faite, oui. Parce que j'ai la vie à la madame, monsieur. Il dit qu'un candidat va recevoir plus que 6 millions de gouttes dans mon secteur privé. Un sénateur va recevoir plus que 2 700 000 gouttes. Pourquoi vous département? Beaucoup de gens pour faire campagne. Nos pays, je dis là, misère. On a dit gon groupe. Qui va faire là mon frère? On a dit gon groupe citoyen et puis paysan ou gon groupe et plusieurs groupes qui décident qui identifient un candidat. Je dis ça bon ça est pas maintenant. Clair. Et puis yo fait lever de fond, yo poté coller, yo rassembler comme et ça yo pas capable quantité comme. Non, pas capable. Qui ça? Non, pas capable. C'est dans décret, dans décret pour regarder. Ça dit que nous parlons dans le même scénario, même ça qui t'est passé dans pays en 2001-2002. Côté que PHTK, côté que la VAC prend tout pour lui, et puis 2003, pays a comme face lui. Et puis, il y a un résultat que le débat là. Elle dit que nous faisons carré dans l'obéir. Elle dit que nous planifions même justement pour nous vivre dans l'obéir là, pour nous vivre dans l'instabilité. Elle dit nous planifions et nous d'accord sur lui. Et nous d'accord, et cancer pour tout et pays, c'est instabilité. Instabilité. Pourquoi qu'ils ne font pas dans un pays qui est instable? C'est clair. Non, rien. Et ça, c'est ça comment oui. Bonjour, Louko Désir. Bonjour, José Lexidor. Bonjour, peuple haïtien, Pierre Matet à toutes. Bonjour, diaspora, un peu partout à travers le monde. Bonjour, Haïti. Nous décostombrés, nous démembrés, nous vilipendés, nous crasés, nous crabinés, nous coucoumants. L'esprit n'est pas bon. Nous sans âme, nous sans vie. Nous c'est l'obéi, nous c'est cripia. Nous c'est pile tintin. Nous c'est charogne, nous c'est l'obéi. Nous c'est pile tintin. Nous c'est grimace. Nous pas rien. C'est macaque. Nous c'est macaque.
qui ça nous y encore? Nous c'est toute l'obéi qui existe sous la terre. Jeune femme ça qui prend balle matissant, sans compter le plusieurs l'autre qui prend balle. La ville d'abbaye, il a passé bail. Un petit monde qui passait 14 années l'école, après elle passait 4 années encore dans l'université, il vient infirmière dans le pays là. Li soutenir mémoire li là le travail pour le bail la vie et jodi là vagabond touyel comment on fait penser que moi même Esaïe César qui connait métier des armes moi l'accepterai d'autre ça ton le boulet président m'pas accepter le ton écraser ensemble même m'pas accepter le monsieur le ministre Gonzague D ou t'ai annoncé la couleur. Où est passée cette couleur? Papa, c'était un monde, en plus le monde était respecté dans la société parce que il était frappé pied, les boules frappé pied. Monsieur le ministre de la Justice, vous qui donnez des ordres à la police nationale pour que cette police puisse mener des enquêtes, des opérations, ainsi soit-il. Monsieur Léon Charles, le directeur général de la police nationale, à qui sentiment? Ou à lever matin là pour regarder ça qui a passé dans Papa Matissan. Moi, je vais vous dire ce matin, avec des larmes aux yeux, je n'accepterai pas que l'entrée de la ville de Carrefour, de la commune de Carrefour, soit fermée par des vagabonds, par des vanipieux. Moi-même, Esaïe César, nous connaissons les foutre pied matin. Vous ne pouvez pas vous faire un petit peu de temps, vous êtes un petit peu de temps. Ça n'est pas content, mais faites ça, vous voulez. Je vais mettre un petit peu de temps, je vais prendre un cabaye, je vais prendre l'arrière à tout le monde. Parce que j'ai l'arrière là, il faut qu'on mette un cabaye dans le bout d'un pour capable gérer la situation. Est-ce que chaque jour, vous êtes obligé de courir pour vagabond? Hein? Pour qui ça? On goumen gang à gang, l'obéi sous l'obéi, comme si ce n'est pas que mes âmes n'ont même pas qu'à suivre. J'appelle l'ambassade américaine, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada en Haïti. Vous avez des ressortissants en Haïti, prenez votre responsabilité. Ambassade américaine, ambassade de France, l'Union européenne, prenez responsabilité nous. Les ONG œuvrant en Haïti, prend responsabilité nous, la communauté internationale. Je vous en appelle ce matin. Mais écoutez, mais je n'accepterai pas cette situation de fait. Donc, à l'entrée de la commune de Carrefour. Mais ce qui se passe actuellement, donc les arranges, ça fait les affaires. Ok. Si nous connaissons que c'est nous-mêmes qui avons des âmes, ensemble avec l'État qui l'a, nous disons que c'est les amis pays d'Haïti. Mais m'a fout pied matériel de là moi-même. Ça fait l'affaire. M'a tolérer, j'en ai pas qu'on continue dans le pays. Parce que c'est pas possible, ok? Pour des vagabonds qui nous prennent pays en otage, pour prendre zone en otage, il y a un bout de terrain, ou pas passer, de ou passer ou prendre balle, ou mourir. Mais si y a la guerre, monsieur, nous déclarer société. Mais on fait la guerre. Kounya moi-même, nous m'a pas venir là encore pendant un nombre de temps là, m'a le goumé, ok? M'a le goumé. Nous connaissons pas pour venir là encore. Je suis un ami quoi moi-même. Moi, je suis un ami dans l'arrière. Je suis un ami dans l'arrière moi-même. Ok? Je suis un ami dans l'arrière. Si c'est comme ça, je suis un ami dans l'arrière. Je ne peux pas venir encore. Pour que madame ou petite, madame ou petite, tu as perdu. Ok? Je ne peux pas venir encore. Ok? Je suis un ami dans l'arrière. Je suis un ami dans l'arrière. Parce que ça n'est que là que vous faites. Non, c'est un ami dans l'arrière. Calme-toi. Ok? Calme-toi. Je suis un ami. En tout cas. Pour que imaginez donc. Frustration, les amis, c'est ça. Qui c'est le Carrefour qui a traversé la vallée de la mort donc chaque jour? Qui a traversé Matissan pour le vin dans Radio Éclair? Il n'est pas normal, madame, monsieur. C'est comme si nous regardons que je dis, nous habitués, comme si nous finissons d'accord que l'état de fait, ça qu'il a, c'est que nous avons pays, nous avons mouru la donne, et que nous avons un groupe de monde qui que nous les gangs, que nous tolérons, que nous d'accord et que nous vivons avec eux. Et puis, cap tout le monde chaque jour pratiquement dans le pays. Nous d'accord tout que l'autorité qui a une responsabilité et pour garantir la sécurité de la population, ils ont croisé les bras.
Yo seulement là, abjou de privilège l'État. À partir de aujourd'hui, nous connaissons, je vais quitter le micro, ok? Je vais quitter le micro. Non, pas quoi dire. Je vais quitter le micro. Non, pas quoi dire, pas quoi dire. Je vais quitter le micro. Écoutez. Les amis, non, ton abou, nous connaissons. Non, mais. Tu es classé, moi, je parle le bandit, mon cher. Eh bien, bandit même. Eh bien, bandit même. Yo mettez une situation pour mon bandit. Et je vais quitter le micro. Même à partir de aujourd'hui, je vais annoncer que le peuple haïtien, je vais quitter le micro encore. Non, pas quoi. Non, rien, oui. Pas quoi, ça. Non, rien. Donc, écoutez, ça qui a passé, c'est réaction, je dis, à plusieurs monde dans la société. Parce que son grain de foi, il y a son grain de foi. Ok, son grain de foi. Parce que comment on fait, comme je dis, comme des gens paisibles, les gens qui l'ont en pays. Mais pas ici, mes amis, son peuple qui est inoffensif. Il n'y a pas besoin de rien pour le dire. C'est leur marché sous lui, ouais, tout mettre tête ensemble dans le cadre de solidarité, puis il résout le problème une fois pour tout. Je dois que les autorités dans le pays, qui ont justement de privilèges, et qui pas prennent responsabilité, mes madame, monsieur. Et que nous même papa ici nous d'accord tout ça qui a passé là nous déjà d'accord. Mon n'a pas gain travail. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, n'a pas gain travail, il mande tout simplement balle possibilité pour circuler en deux pays là pour le chercher manger pour le bail petit pour le tête même ça non il va gagner. Donc chaque bail passé dans pays. Chaque bail passé dans pays nous d'accord et puis nous croiser bonne et puis nous adapter nous avec. Qu'on va faire comme je dis là. Quel monde là qui vivre. Quel monde là qui vit, madame, monsieur? Si les diaspora vont 50 dollars, ils ne vont pas manger, non? Quel monde là qui vit, madame, monsieur? Mandez-vous de qui ça vivre, de comment ça vivre, Abdou, vous ne connaissez pas? Je ne connais. Quel monde là tout son paquet de bluff, c'est bluffé, vous avez une apparence. C'est bluffé, vous avez chargé le problème. Vous laissez aller tel, Louko. Yem, nous disons là, monsieur, nous sommes des petits business. Moun... Mon café pharmacie, mon café tellement mon a passé mandé, menacé. Yo fermé. Yo fermé. Monsieur, yo fermé, ça veut dire mon l'aile fermé, on consacre rivé. Trois moun, quatre moun, cinq moun qui te bon espoir. Chaque mois, le bon timoua et maintenant, moun sa ou l'oblige vous à la caillou. Donc c'est pas possible, madame, monsieur. C'est pas possible. Là, comme je et on a fait une lecture de situation sur le plan spirituel. Et problème très sérieux. Et problème très profond, madame, monsieur. Non, plus, chef. Donc, Marie, c'est une parce que phase finale, là, nous avons la donne là. Parce que l'homme est là, révolte à Fort Clifford. Donc, la guerre à Fort Clifford. Donc, c'est Marie, c'est une. Si c'était pour un bagage, au moins. Si c'était pour un bagage, par exemple, où est pile Zam ça, on a là. Si c'était pour un bagage sérieux. Son, ça y a dit, il y a été vrai, autant de révolution, mais Chavier, le système, c'était vrai, c'est pas de bagage, nest fait pour nest fait quoi, bio. Au monde a dit bon ok il fait noir et puis bon me tend 2000 bras le jour ou pas ouais ou a souffrir ou a souffrir ou est fermé dans ca pas manger même pour rien pour alors que conseil des nègres il a joué privilège seulement et ça fait l'aime tend dans la rue avec sirène bagarre n'importe bagarre nerveux comme ça man. En tout cas et on regarde pour dans ça pas passer dans pays mais c'est vraiment et c'est grave ce qui a passé là, c'est vraiment grave. Un peuple qui est donc délaissé pour son compte. Il a tout pour dégager des mêlés gâteaux. Vive. Est-ce que nous avons une quantité de monde qui a madame monsieur qui a un problème? Monsieur, je suis le petit doigt. Ah mon cher Luko. Est-ce que nous avons une quantité de monde qui n'a pas habitué à pas payer? Qui pas capable l'école? Combien fois écrasé? Qui pas capable manger dans caille? Combien fois écrasé? Nèg la obligé voyer madame ni al caille famille là prend déception, li voyer ti moun yon côté, li même li dans la rien, la marche caille zanmi dormi à gauche. Pour moun kembe là. Faut chaque jour garder figure dans glace pour situation ça pas changer non? Pour pas faire mauvais bagarre dans la vous. Madame monsieur. Gros ami mi qui elle me dit nous look. M'ba démission dans travail moi matin. Nous avons passé dit, ah, ma bouche j'ai quitté. Et j'ai mis ça, moi, j'ai plusieurs années. Ma convaincu, je me dis, non, arrêtez là. Et finalement, je me dis, rien. Parce que le gros petit qui l'a pleuvé, eh bien, l'obligé, donc, garder à venir tout le monde. Si il n'y a pas d'option, on a même, donc, il n'y a pas de choix. Mais si il y a une option pour quitter le pays, est-ce que je me dis, pas quitter? Et ça me garde pas quitter. Et si conditions réunies pour tout haïtien quitter pays et ça je dis là. En tout cas, nous allons analyser.
je sais ça qui gagne donc dans éditorial la matin pour ce mardi 6 juillet 2021 je sais l'excident. Nous allons aller avec éditorial matin hein, qui lui-même titré Haïti, technologie, les réseaux sociaux, des outils promotionnels pour les bandits armés. Il était souvent reproché aux journalistes de tendre leur micro aux présumés bandits armés. Aïe, aïe, aïe. Une seconde pour nous tourner avec texte éditorial matin. Et à l'époque, c'était un bon coup pour ces hommes et femmes de radio qui se noyaient frénétiquement dans cette course à l'audience. Cela faisait grimper leur audimat. Pourtant, aujourd'hui, ceux qui sont appelés chefs de gang font peu de cas des émissions populaires. Donc, les stars médiatiques sont moins sollicitées par des assassins. Les bandits armés sont aujourd'hui les vedettes des réseaux sociaux. Leurs déclarations sont commentées dans les médias traditionnels. Ils sont devenus des influenceurs. La population, sans s'en rendre compte, partage leurs publications. Le peuple donne son avis. Il applaudit. Parfois, il désapprouve aussi. Ainsi, les acteurs du crime atteignent une plus grande audience aujourd'hui sans le secours des journalistes. On devient si vite une superstar du crime en brandissant sur les réseaux sociaux sa mitraillette crachant du feu. Maintenant, quelle est la responsabilité de l'État face à ces bandits armés polluant ces plateformes? Quel est le devoir de l'État face à ces images monstrueuses plongeant la population dans une véritable psychose? Facebook n'est pas accessible en Chine depuis 2009. La Chine restreint l'accès à WhatsApp pour forcer les utilisateurs à se rabattre sur des applications sous surveillance. Dans certains pays, l'internaute ayant un libre accès aux réseaux sociaux sait que ses activités en ligne sont certainement épiées derrière la scène. Donc, il n'osera pas tout afficher. De telles mesures, dira-t-on, portent atteinte à la liberté d'expression. Mais ces dérives constatées sur les réseaux sociaux en Haïti ne débouchent-elles pas déjà sur une bamboche d'expression malsaine? Ne revient-il pas à l'État haïtien de prendre en charge les plateformes des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des outils de marketing contribuant au développement de l'influence néfaste des bandits armés sur les citoyens? Robinson d'Haïti. Voilà un très beau texte tenant compte vraiment, de la réalité du pays. Et vraiment, un bel éditorial, Louko Désir. Un très bon texte, un très bon texte de monsieur Robinson d'Haïti. Vraiment, il a touché en fait la plaie du droit. Ouais, ouais. Parce que dans l'ensemble de deux autres qui viennent dans le pays, madame, monsieur, il n'y a pas seulement question d'autorité ou pas de responsabilité. Oh. Question insécurité, bandit qui a fait la loi avec Zamio, donc tout partout dans le pays. Question réseaux sociaux, mais sur le désordre dans le désordre là encore. Mm. Il a niveau et nous dans pied. Jean-Robinson dit là, nous allons faire contact avec Robinson. Oui, faire contact justement. Niveau et nous dans pied autorité encore. C'est clair. Parce que, écoutez, laissez aller ça, il est capable, le ministère de la communication, de la culture, de la communication qu'il a, et qui t'a doué un mot pâle pour le dire. Est-ce que à ce niveau, est-ce que nous sommes ignorants? Parce que nous ne pas maîtriser ça vraiment. Oui. Comme si nous portons sous lui, mais c'est lui qui mène nous. Oui. Au lieu de nous mener, nous c'est lui qui mène nous. Même la République Dominicaine, madame, monsieur, c'est pas n'importe qui va nous faire sur les réseaux sociaux. Même la République Dominicaine. C'est pas tout le monde qui va faire sur les réseaux sociaux. En Chine, au Japon,
de gouvernement. Je ne vais pas parler de Corée du Nord. Ok? Un Chinois, Japon, a fait bah, Chinois, Japonais, a monté donc sous réseaux sociaux. Alors, ce qui est quoi? C'est mettre technologie, oui? Et c'est mettre technologie. Ah oui. Mais pas oublier. Pendant que c'est mettre lien, c'est pas tout ça qui crée, qui fait ça pour eux. Par exemple, même aux États-Unis. C'est pas parce que vous créez qui fait que le bon pour la caillou, bon pour la caillou. Alors, créer lancer yon, vous créez pour faire comme, vous créez pour vous faire comme, vous utilisez le tout pour vous faire comme, mais vous connaissez le danger. Et vous êtes ça, vous réglementez, vous mettez principe, vous mettez balise pour, parce que vous connaissez vraiment avec les réseaux sociaux, vous êtes capable de faire, vous êtes capable de créer son pays. En tout cas, les réseaux sociaux, ils ont danger pour Haïti, ou même son d'Haïti comme nous. Bonjour Maté Débat, bonjour Monsieur Loco Désir, bonjour Maître Lexidor, bonjour au député Pierre Martin, à tout qui m'attendait, et bonjour et à toute auditrice, auditeur et capteur de nous là, je dis à sur Radio Télé Éclair, et bonjour également et à tout le monde capteur de nous sur plateforme et différentes plateformes, YouTube, Facebook, etc. Et ma salue tout et Monsieur Isaïe César. Et je remets un coup de gueule à matin, mais ma vie et Isaïe César, il faut que nous organisions la lutte. Je comprends le rage liant, mais il faut rage liant, pas déboucher tout, soit on démence. Parce que je n'ai jamais dit, on ne va pas aimer que ça gagne là, qu'à traversé là, déboucher son démence et que son tentative de suicide, que liaison, M. le Codizier d'Italia, son jour et madame, rien de dit. Nous, ensemble, je dis, pour nous commenter une vidéo, ça, qui est titrée Haïti Technologie. Les réseaux sociaux, des outils promotionnels pour les bandits armés. Robinson d'Haïti. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le titre parle de constat. C'est vrai. Parce que, qu'en fait, Robinson, je dis à fond d'accord, si pas de réseaux sociaux, en plein que gang pour un pays, pas d'après. Oui, c'est superstar. Ah oui, ah, c'est une. C'est des superstars du crime. Parce que nous connaissons une première étape, parce que bah, là-bas, de commenter aujourd'hui, hein, parce que nous sommes des reproches qui étaient adressés à des journalistes qui étaient appelés par la parole à de présumés bandits. Hein, bah, là, ça a fait un pile tourné, il a fait un pile reproche à des journalistes qui baillent la parole à des bandits armés. Et c'était, pour moi-même, c'était un bon coup pour ces hommes et femmes de radio, parce que c'était vraiment une course à l'audience. Et ça t'a fait grimper au dimatio, et ça t'a fait que y a plus de monde qui attendait. Parce que c'est la peur, le temps dont bandit a parlé, on voulait attendre qu'il s'en a dit, et nous sommes en train de sonner par exemple, c'est qu'on fait des menaces. Bon, au monde, par exemple, soit passé Delma 33, passé Delma, écrit non, pitoua, et en bas pile. Donc, il était important que nous t'aiguions des informations comme ça, et les journalistes là, baillent, bandit à la parole. Et c'est vrai que c'était pas souhaitable, mais quand même, il était utile population qui était, malgré, et c'est notre peur qu'il était tombé, évidemment, mais il était une information, il connaît pour pas fréquenter telle zone ou telle zone. Mais je dis, et ça, oui, les chefs de gang, là, n'ont pas besoin d'une émission populaire au Kounia, là. Donc, c'est de véritables stars médiatiques, curieux, et ils ont pas vraiment, et donc, stars médiatiques, les vraies stars médiatiques, c'est-à-dire, monde qui n'a média traditionnel, le jeune aujourd'hui, hein. Il n'est pas vraiment sollicité par des assassins. Nous connaissons des assassins, des criminels, des chefs de gang qui étaient qu'on a demandé aux journalistes au bon point de parler, qui n'ont pas besoin d'annoncer. Les journalistes, généralement, étaient qu'on ne parle pas parce que ça a fait monter audience et c'était très important pour les journalistes. Et c'était néfaste pour la population, mais important pour la population qui était besoin d'informations. Parce que son pays, et côté l'État, n'a pas pris responsabilité. Donc, là où ils vont pas dire, tel chef, tel voilier, il n'est pas passé dans telle zone, eh bien, l'étape importante pour la population, comprendre qui ça l'a dit, connaître ça l'a dit, on ne peut pas mettre pile dans la zone. Ça. Donc, pour moi-même, c'était mon première époque, côté et ces journalistes, médias traditionnels, qui étaient qu'on a failli, et bandit armé palé, par chef de gang et palé. Son bagage était reproché aux hommes d'hier, mais son bagage était important pour la population, même si c'était créé un climat de peur, effectivement, mais c'était information ça était extrêmement important pour la population. Mais donc, même aujourd'hui, c'est des vedettes des réseaux sociaux. Donc, on a et aujourd'hui, ça fait même, ça fait là, maintenant, ça a
moins déclaration bandit armé yo yo commenté yo dans les médias traditionnels yo si monsieur Izo monsieur Tilapli ou bien monsieur Barbecue dit yon bagay sur les réseaux sociaux rapidement ouais 50 000 views ouais 100 000 views donc on cadet et vidéo à publication virale sur internet là côté gain des journalistes qui obligé commenter yo qui essaient de moun tout et entre amis ou bien entre famille ba et